Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de l'AFPC Québec. Mon nom est Isabelle Renaud. Je suis responsable de l'éducation pour mon syndicat à l'AFPC. Et aujourd'hui, on va avoir le plaisir de faire un midi en compagnie de deux personnes qu'on adore, Michel et André, du programme d'apprentissage mixte. Le fameux, tu sais, nous, dans le mouvement syndical, on aime ça parler en acronyme, donc le fameux PAM. Alors, ce midi, ça va être un moment privilégié pour vous permettre d'en savoir plus. Puis, on vous le dit aussi, hein, un de nos objectifs qui n'est pas du tout caché, c'est peut-être de vous donner le goût même de devenir facilitateur et facilitatrice du PAM. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Michel pour qu'elle puisse se présenter, ensuite André, puis on va pouvoir démarrer la présentation visuelle. Bien, bonjour. Merci Isabelle de nous avoir avec toi aujourd'hui. Merci à tout le monde aussi qui est présent pour cette présentation-là. Mon nom, c'est Michèle Parent. Je suis la coordonnatrice régionale pour la région du Québec du programme d'apprentissage mixte. Je suis entrée en fonction seulement en juin dernier, donc c'est assez nouveau. Je représente la partie syndicale du programme. Et donc, je suis une syndicaliste à la base et je lance la balle à ma collègue André. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation. Mon nom est André Lanfouche, je suis coordonnatrice régionale pour la région du Québec, évidemment, pour le PAM, et je représente l'employeur pour le programme. Je suis coordonnatrice depuis 2017. Alors, c'est un plaisir d'être là avec vous. Merci, Anne. Merci beaucoup. Alors, tu me le dis, Michel, quand tu es prête, puis je lance la présentation. Écoute, je suis prête. Je vais faire de mon mieux et j'espère que je parle assez fort. Je vais demander aux gens d'être indulgents. J'ai avec des petits problèmes techniques et je dois prendre ce Zoom-là sur mon téléphone. Donc, si jamais je ne parle pas assez fort, essayez de faire signe à Isabelle qui me fera signe plus tard. Eh bien, je vais vous présenter de mon mieux le programme d'apprentissage mixte. Comme vous avez vu, je suis accompagnée d'André Danfousse, ma collègue qui est coordonnatrice, co-coordonnatrice, parce qu'on est deux coordonnateurs. Coordonnatrice, une qui représente le syndicat et une qui représente l'employeur, parce que l'essence du programme d'apprentissage mixte, vous allez le voir, c'est une initiative qui est concertée où le Conseil du Trésor et donc le représentant de l'employeur et l'Alliance de la fonction publique du Canada, représentant des employés et des syndiqués, est ensemble, pour travailler ensemble pour ce programme d'apprentissage mixte. Donc, tout est concocté main dans la main, si on veut. Fait que, Isabelle, je t'inviterai à changer la diapo pour moi, s'il te plaît. Alors, le programme, c'est un partenariat, justement, entre ces deux entités-là, comme j'ai dit, le Conseil du Trésor puis l'Alliance. Il y a un historique à ça. Puis, je pense que c'est important pour nos membres de le connaître un peu. C'est parti d'un projet pilote qui a été négocié en 2001. Donc, ça fait quand même plus de 20 ans, 21 ans maintenant que le programme d'apprentissage mixte va bon train dans notre milieu de travail. Puis, c'était la première fois quand ça a été instauré en 2001 qu'on avait ce type de partenariat-là entre le syndicat et l'employeur pour définir ensemble des ateliers, des contenus d'ateliers sont définis ensemble. Donc, le programme est né lors d'un renouvellement de conventions collectives. Ça suivait des années assez difficiles entre le Conseil du Trésor et les employés de la fonction publique. Puis, il y avait un besoin de réassainir, si je peux dire, les relations syndicales patronales dans le milieu de travail pour que les employés syndiqués aussi puissent en bénéficier. Je tiens à mentionner que la présentation va être disponible pour les gens, donc je ne la lirai pas mot à mot. Vous êtes capable de ensuite vous y référer.
Mais donc, c'est en 2001, suite à d'importantes négociations, que l'initiative a vu le jour. On peut changer, Isabelle. Merci. Alors, quand je dis que c'est le fruit d'une négociation, en 2001, une fois que les parties ont constaté les dégâts dans le milieu de travail, si on peut dire, puis le besoin de restauration des relations syndicales patronales, il y a un premier protocole qui a été mis de l'avant pour l'étape de négociation 1, 2, 3 et 5. Ça a résulté en un projet pilote. Au début, le PAM, c'était « on va l'essayer, on se donne 4 ans ». Puis ça touchait principalement les ministères de l'administration centrale, donc pas l'entièreté des ministères qui sont syndiqués avec l'AFPC, mais une grande partie de ceux-ci. En 2004, ben, à chaque 4 ans, hein, on renouvelle la convention collective, on retourne en négociation. Donc au bout de 4 ans, il a été prouvé que les expériences vécues par le PAM dans le milieu de travail étaient concluantes, amenaient des bénéfices autant pour les membres syndiqués que pour l'employeur, puis surtout au niveau des relations. Alors là, il y a des fonds vraiment qui ont été ajoutés là, pour la négociation puis le renouvellement de l'entente. Donc, le PAM bénéficie de 8 750 000 $ à ce moment-là, qui a été décidé, OK, on met ça sur la table pour réaliser ce programme-là. Puis, comme vous le savez, de négociation collective en négociation collective, des fois, nos conventions collectives arrivent à échéance. Puis là, on est en période de négo, un peu comme en ce moment. Là, on est sans contrat de travail pour l'instant, et on est en égo, mais il y a un 292 000 $ par mois qui continue d'être attribué pour le bon fonctionnement du programme à travers le pays. Hein. André et moi, on est les coordonnatrices pour la région du Québec, mais ce programme-là, il est pan-canadien dans toutes nos régions. C'est sûr que ça coûte des sous, mais ces argents-là, justement, ont été négocions, fait l'objet de négociations entre notre syndicat et le Conseil du Trésor. Puis depuis ce temps-là, depuis 2004, donc, ce n'est plus un projet pilote, mais le PAM continue d'aller de l'avant et est toujours reconduit avec à peu près les mêmes sommes. En 2007-2011, comme je vous dis, ça c'est les autres années de renouvellement de convention collective, les séances d'apprentissage, il y en a plus qui ont été conçues aussi, hein, parce qu'on n'a pas commencé avec 7 ateliers d'emblée, pardon, mais la collaboration a continué. On a des agents de programme qui représentent l'employeur et qui représentent le syndicat, qui s'assoient ensemble pour développer du contenu. Depuis 2011, parce qu'au début, de 2001 à 2011, le programme PAM était centré et offert uniquement aux membres syndiqués avec l'Alliance de la fonction publique. Mais comme on le sait, dans nos milieux de travail, on est multi-syndicats aussi. Moi, je viens de Services Partagés Canada, par exemple, où la grande majorité des membres sont avec l'Institut, donc des spécialistes de l'informatique. Tandis que moi, je fais partie de la table des PA syndiqués avec l'Alliance. Mais pour que plus de monde puisse bénéficier des bienfaits du programme, de ce que ça amène dans le milieu de travail, il a été négocié en 2011 d'élargir le PAM pour être plus inclusif puis permettre que les gens syndiqués avec d'autres syndicats que l'AFPC puissent aussi en bénéficier dans le milieu de travail. Et c'est comme ça depuis 2011. Fait que ça, on est quand même très fiers. Puis les gens qui veulent s'impliquer au PAM, s'ils sont syndiqués ailleurs aussi, comme là, aujourd'hui, on est sur la plateforme de l'AFPC Québec, donc je présume à 99,9% que tout le monde qui assiste à la présentation en ce moment est syndiqué avec l'Alliance.
Par contre, vous avez peut-être des collègues autour de vous, soit au niveau des finances ou de l'informatique, etc., qui font partie de d'autres syndicats. Donc, vous pourrez transmettre la bonne nouvelle dans votre milieu de travail du fait que le PAM est disponible pour eux et qu'ils peuvent aussi, eux aussi, s'impliquer au sein du PAM. On peut passer, Isabelle, à l'autre diapositive. Moi aussi, il faut que je passe de mon côté. est-ce que ce qui est négocié est nécessairement acquis? Moi, vous le savez, là, j'ai un background syndical. J'ai appris quelques affaires en étant impliquée syndicalement les 12 à 15 dernières années. Puis la FPC, je pense, est très bien placée pour vous parler là, de l'importance de protéger les acquis. Parce que, en fait, ce qu'on sait négocier, des fois, ça peut prendre le bord. C'est plate, mais dans une négociation, on en met, on enlève. Hein? C'est une transaction. Des fois, on perd des choses. Moi, dans ma carrière syndicale, j'ai vu certains petits reculs. Puis des fois, c'est des ballons qui sont lancés aussi. Comme à un moment donné, on nous avait dit, « Oh là, vos journées, votre banque de journées de congé, on va aller piger là-dedans, etc. » Fait qu'il faut se battre. Il faut continuer de se battre pour maintenir nos acquis. Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que le programme d'apprentissage mixte, comme vous savez maintenant qu'il a été négocié, c'est un de vos acquis. C'est important d'essayer de le maintenir dans le milieu de travail. Pourquoi? Parce que des fois, ça se peut que si vous êtes là depuis longtemps, moi, j'ai 25 ans de service d'accompli à date, puis j'en ai fait quelques-uns des PAM comme employés syndiqués à un moment donné. Puis je pourrais facilement me dire, ben, je les ai faites, j'en ai plus besoin. T'sais, c'est fait. Sauf que si je regarde autour de moi, il y a un roulement dans notre fonction publique. Puis c'est important parce que l'image de la fonction publique d'aujourd'hui comparée à l'image de la fonction publique d'il y a, je ne sais pas moi, 20-25 ans, c'est une fonction publique qui s'est renouvelée, diversifiée. Il y a un autre portrait. Il y a l'importance d'apprendre tout en finesse comment interagir avec les gens qui viennent, par exemple, de d'autres cultures, etc. Tu sais, on est une fonction publique qui est à l'image de notre société, puis il faut, on a plein de choses à apprendre. Moi, la première, même si j'ai déjà suivi les ateliers, des fois, si je suis amenée, parce qu'il y a des changements dans le milieu de travail, à les resuivre, bien, j'y vais parce que, aux surprises, c'est pas nécessairement les mêmes choses qui pop-up pendant la deuxième expérience. C'est comme le dialogue est vivant, puis les ateliers du PAM permettent un dialogue vivant qui reste. Donc, mais on n'est jamais à l'abri de perdre notre PAM. Fait que comment est-ce que nous autres, comme employés syndiqués, on peut le maintenir? Bien, entre autres, on a besoin de l'appuyer, puis on peut l'appuyer en demandant, quand c'est le temps de faire nos plans d'apprentissage, par exemple, en redemandant les ateliers. Souvent, les demandes pour des sessions PAM proviennent beaucoup de la portion syndicale. Je n'ai pas de chiffres statistiques, mais on le sait, André et moi, on voit, parce que les portes d'entrée de certains malaises qui doivent être dénoncés ou qui existent dans certains milieux de travail, c'est souvent le représentant syndical ou le dirigeant syndical ou les membres qui, sur le plancher, vont aller rencontrer les gens et dire « Mon Dieu, ça se peut pas qu'on soit en 2022 puis on a encore ce type de rapport de force-là, ou etc. » Fait que les demandes viennent souvent du syndicat, tu sais. Les demandes viennent du syndicat, puis on veut que ça continue de venir du syndicat, de la base, de nos membres. Fait que demandez-les, revisitez-les. Quand vous avez des nouveaux employés autour de vous, des nouveaux collègues, vous pouvez suggérer à ces personnes-là qui rentrent dans la fonction publique, « As-tu fait les ateliers du PAM? Ça existe, demande-les. » Comme ça, l'employeur va l'organiser de concert avec ton syndicat, etc. Puis c'est le type d'atelier,
Vous allez le voir, je pense qu'on y va. On va changer de diapo, Isabelle. Ah, j'ai pris un petit peu d'avance. Vous voyez, je ne lis pas toutes mes affaires. Mon Dieu, attendez une seconde, je vais me recentrer. Oui, ben, les objectifs. Parmi les objectifs du PAM, rendre les relations syndicales patronales plus efficaces, basées sur un lien de confiance, un dialogue commun. Des fois, je vais vous donner l'exemple de la consultation patronale syndicale. Moi, je peux avoir comme syndicaliste dans mon coin une définition de ce que c'est que la consultation. Puis le gestionnaire qui est en face de moi peut avoir sa propre définition. Ce que le PAM fait de magique, c'est qu'il va mettre ensemble les deux intervenants, il va les faire discuter de c'est quoi la définition, puis il y a une définition commune de la consultation qui va émerger. Pourquoi? Parce que on en apprend encore plus sur le rôle mutuel de chaque partie dans le milieu de travail. Donc, on crée un microcosme là, où je vais utiliser le verbe remieuter, on remieute nos relations de travail. Puis, c'est sûr que parmi les objectifs, ce qu'on présente aux employés aussi en ayant le PAM dans le milieu de travail, là, les ateliers, c'est qu'on arrive à présenter une image positive comme quoi c'est aussi possible de travailler main dans la main, de ne pas toujours être deux interfaces en opposition une avec l'autre, mais à travers les principes du PAM, les valeurs mises en commune, le contenu mis en commun, préparé en commun, défendu, présenté en commun, bref, on arrive à transposer une image de ces relations-là n'ont pas besoin d'être tout le temps conflictuelles. Il y a des domaines, tu sais, il y a des domaines où on ne s'entendra pas. Là. Quand on est en égo, etc., c'est normal, on va sortir nos mégaphones, on va descendre dans la rue, les syndiqués, puis on va se tenir, etc. Puis là, on va regarder l'employeur dans les yeux, on va dire non, ça ne marche pas, cette charge de travail-là, ça n'a pas de bon sens. Nos santé mentale, etc. Le milieu de travail change. Bon, name it, là, on a plein de sujets sur lesquels on peut avoir un rapport de force, mais il y a quelques sujets aussi sur lesquels il est facile de s'entendre et de bien travailler ensemble. Je vais vous donner par exemple avoir un milieu de travail exempt de harcèlement. Très rare que les deux parties ne souhaitent pas ça. Je pense que tout le monde peut s'entendre et se dire oui, on a le goût de travailler dans le même sens, puis on a les mêmes objectifs. Donc, le PAM, lui, est rassembleur à ce niveau-là. Puis, ça fait du bien aussi aux employés de voir un milieu de travail où la gestion, le syndicat, où les patrons, les employés peuvent avoir un terrain pour se parler. Sans hiérarchie, etc. Fait qu'on va sauter à l'autre diapo, s'il vous plaît. Équilibre, rencontre et échange. Comme je l'ai dit tantôt, on aborde les rôles et responsabilités de chacune des parties au sein du PAM. Il y a une reconnaissance du rôle du syndicat, puis il y a une reconnaissance du rôle de la gestion qui sont clairement présentés à travers les ateliers. Mais comme je viens d'aborder aussi, quand je parle d'espace de discussion, bien, le PAM, les ateliers, permettent la tenue de rencontres où là, je ne suis plus nécessairement assise avec mon patron ou ma patronne. Je suis assise avec un être humain qui fait partie de la gestion, mais j'ai le terrain libre pour lui présenter mes idées, ce que je pense, via mon expérience. On discute de diversité, d'inclusion, de justice, de confiance, de communication. On met en valeur notre mission. Puis ce qui nous anime, c'est les valeurs de respect, de respect des opinions aussi. Ça, on crée un espace vraiment
à travers les ateliers où on a des discussions ensemble, où les employés syndiqués ont des discussions avec des représentants de la gestion, mais pas sur un niveau hiérarchique, sur un niveau, je dirais, humain, égalitaire. Tu sais, c'est un milieu, les ateliers facilités, où les facilitateurs, justement, sont là pour prendre en charge l'espace de dialogue pour s'assurer qu'il y a de la place pour tout le monde, pour toutes les idées. Puis après ça, ensemble, on peut rebondir là-dessus. Fait que ça, c'est le fun parce que des fois, on peut avoir des bonnes idées pour améliorer notre milieu de travail, mais on n'a pas toujours l'espace ou la voix pour les présenter parce que dans le quotidien du travail, bien là, tu as ta bilat, puis tu vas en glisser un mot, mais ça ne sera peut-être pas entendu par quelqu'un d'autre qui pourrait faire du pouce sur ton idée, etc. Donc, on crée ces rencontres-là qui favorisent beaucoup, beaucoup les échanges. Puis c'est super profitable pour la communauté du travail, mais pour chaque individu aussi. On peut passer, Isabelle, à mon autre diapo. Donc, le PAM, il y a un programme de base qui est offert. On a des ateliers. Depuis, comme je vous l'ai dit, 21 ans maintenant, on a comme compréhension de la convention collective, consultation patronale syndicale. Celle-là, dans ma présentation, je l'ai mis en couleur parce que c'est le seul de nos ateliers, en fait, qui s'adresse principalement à des gens qui sont impliqués directement syndicalement, mais toutes les autres sont disponibles pour l'ensemble des employés syndiqués et l'ensemble des représentants de la gestion. Donc, on a équité en matière d'emploi, obligation d'adaptation. La trousse, présentement, elle est en révision. Elle existe quand même. Prévenir le harcèlement et la violence au travail en révision également suite au changement de la loi en janvier 2021, la dernière loi sur la violence en milieu de travail qui a été passée. Bien là, on est en train de rafraîchir aussi, mettre à jour le matériel pour que ça reflète ça. On a le respect des différences et la lutte contre la discrimination et la santé mentale au travail qui s'est ajoutée au courant des 10 dernières années. Là, je ne sais plus exactement quand, peut-être qu'André pourra le dire. Ça, c'est les ateliers de base, dans notre programme de base. Puis, comme je vous l'ai dit, en 2001, ben, il n'y avait pas tout ça, là. Ça s'est ajouté, le programme continue d'évoluer. Principalement, les ateliers durent une journée à deux jours, des fois une journée et demie, ça dépend des ateliers, mais ça permet vraiment d'aller en profondeur, là, de se centrer sur les discussions, puis aller vraiment prendre des petits chemins ramifiés où là on se rend compte, admettons que ben, la santé mentale au travail, ça va peut-être à un moment donné déborder vers autre chose aussi. T'sais, on se rend compte que ça peut affecter, par exemple, ton rendement au travail, etc. T'sais, on a beau se dire on va tout laisser les problèmes à la maison des fois. Puis des fois aussi, là, la santé mentale est éprouvée aussi dans le travail parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de... le monde du travail, c'est quelque chose en perpétuelle évolution, juste de s'ajuster. Si on pense aux gens, ben, vous auriez dû me voir tantôt juste à essayer de mettre le son sur mon ordinateur. C'est juste la technologie, des fois, vient te déstabiliser. Ben, si tu n'as pas les outils ou tu n'as pas l'encouragement nécessaire ou l'encadrement nécessaire pour faire face à toutes ces transformations-là, à un moment donné, regarde, ça se peut que vous me retrouviez à terre. Bon, en tout cas, on ne se rentre pas là. Fait qu'on va passer à l'autre diapo, s'il te plaît. Les ateliers dont je viens de parler étaient tous en présentiel, mais la pandémie a rentré dans le casque à pas mal tout le monde, le PAM aussi. Puis, il a fallu se réinventer parce que les besoins étaient quand même là. Puis, on a voulu offrir, nos agents de programme se sont mis la main à la pâte, se sont parlé, puis ils ont développé du contenu
j'appellerais ça des mini-trousses. C'est comme des trousses de discussion. Donc, on a la série « Le pouvoir d'en parler ». Il y a certains de nos thèmes qu'on reprend, mais qui durent moins longtemps parce que aussi il faut respecter l'attention pendant 2 jours en virtuel dans une séance. Ça pourrait être assez demandant. Merci, là. Fait que, comme je vous donnerai l'exemple de compréhension de la convention collective, parlons-en, bien, au lieu de durer une journée ou une journée et demie, ça dure 3 heures à 4 heures, 3 heures et demie à 4 heures en virtuel. Bon, on s'entend, on n'a pas compressé tout le contenu d'une journée et demie pour le rentrer complètement dans 3 heures et demie, 4 heures. Ça, c'est impossible. Puis le PAM, dans sa mission, veut donner aussi du temps de qualité de discussion, etc. Donc, c'est vraiment une adaptation, puis ça devient plus peut-être une sorte de survol sur certains sujets. Mais ça procure l'espace pour discuter de ces choses-là. Ça met, je dirais, ça peut mettre la table à plus. Puis à un moment donné, je voudrais en savoir encore plus sur la convention collective, comment ça marche, la méthode en 4 étapes, etc. Me retrouver dedans, savoir la naviguer, bien, puis où j'ai l'impression que j'ai besoin de plus d'exemples concrets, etc., des mises en situation, bien là, je vais peut-être me tourner plus vers l'atelier. Fait que les 2-3 dernières années, avec la pandémie, on a été fonctionnel en environnement virtuel principalement. Fait qu'on a eu santé mentale, parlons-en, l'antiracisme, parlons-en, le retour sur le lieu de travail, maintenant quoi? Se recentrer en temps d'incertitude, la consultation syndicale patronale, parlons-en. Celle-là, je l'ai mis en italique parce que c'est la version en ligne, elle va être lancée très prochainement. Donc, on a des milieux de travail maintenant où les gens se rencontreront peut-être pas nécessairement tous physiquement dans les lieux de travail à l'avenir. Là, on ne le sait pas, hein? C'est en pleine évolution, ça aussi, le travail hybride, on entend parler, mais ce n'est pas clairement défini encore. Fait que peut-être que opter pour une discussion ou en faire la suggestion dans le milieu de travail, une discussion du PAM, peut-être que ça peut venir combler un besoin aussi. C'est certain, en tout cas, que quand on met les gens ensemble après 3 ans pour discuter librement, il se passe quelque chose de magique aussi, là, parce que les gens ont besoin d'échanger. Puis, dans le milieu de travail, depuis la pandémie, quand on parle aux autres, c'est parce qu'on a un rendez-vous avec eux autres, c'est parce qu'on a une tâche en commun, mais on s'entend que la vie nous a privés de toutes sortes de petits échanges dans les corridors, des fois, tu sais, du bureau, où « Hey, mon Dieu, as-tu entendu parler de telle affaire? » Moi, je sais que de mon côté, mes interactions ont été limitées beaucoup à une sorte de bébite organique qui se résume juste à les opérations, tu sais, principalement. Puis on voit que quand on permet aux gens de se rencontrer, qu'on fait des espaces de discussion aussi, bien, les liens se consolident à nouveau, tu sais, parce qu'on est en changement. Donc, OK, on va passer à l'autre diapo. Merci. Certains effets du PAM. Moi, j'ai essayé de penser, admettons, là, en tant que représentante ou dirigeante syndicale dans ma vie, le PAM a permis à mon interlocuteur, surtout, moi, il me semble que de mon côté, j'avais une bonne idée de ses rôles et responsabilités, mais je ne me suis pas toujours sentie bien comprise, moi, dans mon rôle de présidente de section locale ou de VPR. Ça, c'est, j'ai eu plus de croûte à manger pour éduquer l'employeur de ce côté-là. Donc, le PAM, chaque rencontre qui a mis en présence ma gestion et moi dans mon rôle syndical, a permis une meilleure compréhension de mon rôle, de mes responsabilités, et j'en ai tiré un bénéfice important
où j'ai pu avoir les coudées un peu plus franches, parce qu'à un moment donné, quand l'employeur réalise, parce qu'on à travers des jeux de rôle, des fois que le PAM instaure, quand il réalise c'est quoi être dans les bottines de la personne qui est impliquée syndicalement, il se rend compte que, oh my God, tu sais, la journée finit pas à 5 heures, là. Non, ça continue après. Il y a énormément de temps qu'on donne hein, autour de nous. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître, là, mais donc ça a été très facilitant après d'instaurer une certaine forme de respect aussi. Puis un des bénéfices en même temps d'avoir des compréhensions communes ou des meilleures connaissances, mettons, sur comment lire et interpréter la convention collective va mener effectivement à une réduction, mettons, du nombre de griefs. T'sais. Même chose avec un lieu exempt de harcèlement. T'sais. Des fois, c'est des jokes, t'sais, mais des jokes à répétition qui arrivent dans le milieu de travail, ben, une personne, à un moment donné, peut en partir un peu. Ça dépend du type de blague, mais on a besoin d'être éduqué aussi sur certaines limites. Ah, c'est vrai, ça peut ne pas être perçu de la même façon ou vécu de la même façon pour une autre personne. Donc, on va faire plus attention. Donc, en étant plus conscient des limites là, de qu'est-ce que ça mange en hiver, une spirale de harcèlement, là, ça s'articule comment dans le milieu de travail? Mais plus que j'en suis consciente, plus je vais faire attention à mes propres comportements qui, des fois, sont pas méchant à la base, mais reste que c'est inadéquat. Puis moi, je ne suis pas la personne qui les reçoit. Puis la personne qui les reçoit les vit difficilement. Est-ce que c'est ça que je veux? Non. Fait que tranquillement, quand je vous dis que l'apprentissage par l'expérientiel vient nourrir la conscience plus générale des gens, mais c'est là que les petits miracles se passent après. En tant qu'employé syndiqué ou membre d'un groupe d'équité, bien, ça favorise mon développement personnel par l'expérientiel. Ça contribue au dialogue social aussi parce que je peux amener mon grain de sel. C'est quelqu'un qui est, je vais vous donner un exemple, ma fille est d'origine chinoise. Puis quand la COVID est sortie, on entendait beaucoup le virus chinois. Puis elle était... pointer un petit peu du doigt, comme si sa culture d'origine était quelque chose de pas mal moins bon pour la santé collective, tu sais. Mais une fois que tu t'ouvres à ce que l'autre personne vit comme expérience dans ce tissu social-là, et là, tu deviens conscient que ton choix de mots, à un moment donné, il faut faire attention, tu sais, parce que tu peux blesser des gens, tu ne sais pas d'où ils viennent. Puis, je ne veux pas trop m'égarer, mais ça permet ça, les ateliers du PAM aussi. Il y a une évolution des consciences collectives, comme je le disais. En tant que facilitateur ou facilitatrice, bien là, je vais développer des nouvelles compétences aussi. M'exprimer en public, travailler en équipe, main dans la main. Des fois, c'est faire des compromis. Puis avoir le sentiment aussi d'être en train concrètement d'avoir un petit impact dans la vie de ceux qui participent aux ateliers puis qui se font une nouvelle idée, mettons, une nouvelle compréhension de c'est quoi le dialogue ou c'est quoi être antiraciste. C'est pas la même affaire que le racisme ou les microagressions, c'est quoi, etc. Fait que j'ai le feeling comme facilitatrice d'être en train de contribuer à faire des changements au niveau de la conscience puis du tissu social. Fait que ça, c'est vraiment un beau sentiment aussi. Puis en tant qu'employé, admettons, qui désirerait devenir membre de la gestion, tu sais, on ne sait pas des fois, même si nous ici, moi j'ai été très impliquée syndicalement, puis bon, mon cœur était, puis est encore pas mal ancré dans l'AFPC, mais j'aurais pu être quelqu'un qui décide à un moment donné, puis j'en ai eu des collègues impliqués syndicalement qui à un moment donné ont fait partie d'équipe de gestion. Bien, quand tu suis les ateliers PAM,
ou que tu deviens facilitateur, puis qu'à un moment donné, tu ne sais pas, ta carrière se développe vers la gestion, bien, on s'entend-tu que, mon Dieu, tu as été aux premières loges pour être sensibilisé sur plein, plein, plein de sujets qui vont juste faire de toi un meilleur ou une meilleure gestionnaire, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est un atout aussi. On peut passer à l'autre diapo. Le cœur du PAM, c'est ses facilitateurs. C'est des gens qui sont volontaires, qui viennent de chaque ministère participant du PAM. Sur notre site web du PAM, en passant, il y a une liste des ministères qui sont participants. Si vous faites partie d'un ministère qui bénéficie pas encore des services du PAM parce qu'il n'y a pas d'entente, bien, des fois, il y a des protocoles d'entente qui peuvent être faites ou mises sur pied. C'est le cas en ce moment. Il y a des choses qui se discutent, par exemple, avec l'Agence du Parc Canada. Ils ne font pas partie des ministères englobés par les ministères de la Couronne, là, du Conseil du Trésor, mais on est en train d'instaurer quelque chose. Puis de la même façon que ça s'est négocié en 2001, ceux et celles qui font partie d'organisations qui ne bénéficient pas encore du PAM, moi, je vous dis, prenez contact avec vos dirigeants syndicaux, prenez contact avec la gestion, continuez de les demander. À un moment donné, ça va s'ouvrir, puis on va pouvoir, tout le monde va pouvoir encore plus largement en bénéficier. Nos facilitateurs, ce n'est pas des experts, ce n'est pas des enseignants, c'est un peu plus des guides qui vont prendre en charge l'atelier pour... avec des principes d'apprentissage par l'expérientiel puis de l'apprentissage aux adultes, ils vont guider, ils vont vraiment faciliter. Donc, on n'a pas besoin d'être un expert en convention collective ou d'un expert sur l'antiracisme pour donner une formation sur ces sujets-là. Et puis, le PAM offre de la formation aussi. On mise sur les savoir-faire, on a des techniques, on offre un encadrement, c'est bon pour la recherche de solutions, les réflexions, le dialogue, les exercices, c'est un apprentissage continu. Je veux me garder du temps aussi, puis là j'ai perdu la notion, fait qu'on va passer à l'autre diapo. Ce que ça prend pour devenir un facilitateur ou une facilitatrice, bien, idéalement, avoir de l'intérêt pour l'amélioration des relations de travail syndicales patronales. Puis je dirais même l'amélioration au point des milieux de travail en général, pas juste des relations syndicales patronales, mais des relations entre les employés puis la gestion, etc. Donc, d'avoir le désir de contribuer à un milieu de travail un petit peu plus sain. Avoir de l'expérience des techniques d'éducation populaire, oui, mais pas uniquement. Parce que si tu sens, admettons, que tu as le potentiel en toi de contribuer, de participer, tout ça, ça s'apprend. On n'est pas né personne avec, là, mais le PAM ne refusera pas quelqu'un qui a le désir sincère de contribuer et qui a tous les atouts de base là, pour se débrouiller, pour faire de la facilitation, pour apprendre à le faire. Ça va nécessiter de bénéficier du soutien de sa gestion. Ça se négocie. André, ma collègue, et moi, comme coordonnatrice régionale, ça nous arrive aussi d'expliquer au gestionnaire d'une personne intéressée à devenir facilitateur, expliquer à sa gestion qu'est-ce que ça comprend, c'est quoi la nature de l'engagement, est-ce que tu perds ton employé à vie? La réponse, c'est non. tu la prêtes et tu fais rayonner ton ministère à travers ça parce que souvent, les facilitateurs, tu sais, si moi, j'étais, par exemple, une employée, je suis toujours là, une employée de Service Partagé Canada, bien, je peux être amenée à faciliter à la Défense nationale, à Service Canada, ailleurs. Fait que ça fait en même temps rayonner l'expérience de ce qui se passe dans mon ministère ailleurs, ce qui peut aussi enrichir les discussions. Fait que dans cette diversité-là, c'est pas mal intéressant.
Fait que oui, la gestion, on a besoin que la gestion nous soutienne afin de nous libérer, mais on ne coûte pas grand-chose d'autre que notre salaire quotidien comme facilitateur. Et puis, on ne parle pas là, de 37,5 heures de facilitation non plus par semaine. On doit s'engager à suivre une séance d'orientation de 5 jours. C'est assez intense, mais à date, autant des personnes, moi j'ai un bon ami à moi qui vient de suivre la formation cet été, puis lui est directeur EX2 dans son ministère, mon Dieu, il me dit après, dans mes 20 quelques années de carrière, j'ai jamais touché à quelque chose d'aussi humain, c'est comme formation de fonctionnaire. Puis, c'est vrai, ça vient pas boucler la boucle, là, mais je vous dirais, ça vient rééquilibrer, je trouve. L'implication PAM vient rééquilibrer avec toute la technique, le red tape de notre vie de fonctionnaire. Là, il y a enfin quelque chose d'humain qui s'insère. Puis, honnêtement, ça fait du bien. Puis, pas juste à moi, mais à toutes sortes, une palette de monde en bénéficie. Et c'est une très belle formation de 5 jours. Ensuite, il faut s'engager à préparer puis faciliter 5 ateliers dans les 18 prochains mois. Je vous l'ai dit, là, un atelier peut durer, mettons, 2 jours. On peut s'attendre à une préparation de l'équivalent de temps, admettons, on va dire une préparation de 2 jours pour donner un atelier de 2 jours, qu'on ne donne jamais seul parce qu'on co-facilite avec un représentant de la gestion, nous les représentants du côté syndicat. Et puis, fait que sur je ne sais pas combien qu'il y a de jours dans 18 mois, là, mais il y en a un gros paquet, pas mal plus. Fait que c'est pas quelque chose qui va être si contraignant que ça, là, si je veux dire. Avec une bonne planification, là, d'habitude, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de la région du Québec, bien, notre prochaine séance d'orientation, on est en train de la planifier pour janvier-février 2023, probablement plus en février. Puis j'ai ajouté dans la présentation le formulaire pour poser sa candidature pour devenir facilitateur si jamais l'aventure vous intéresse, pour poster une publicité de la Défense nationale. Aventure plus positive peut-être, sans discriminer. Fait qu'on va passer à l'autre diapo. Ce que les gens en ont dit, les gens qui sont devenus facilitateurs, ils vous disent que vous allez apprendre des techniques puis développer des habiletés qui vont vous être utiles autant dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle, en fait. Ça peut faire progresser votre carrière, ça va, c'est clair, améliorer des façons de communiquer avec les autres, communiquer ses opinions. Ça favorise le travail d'équipe aussi, la résolution de conflits. Moi, je suis la mère de 2 enfants aussi, puis certaines des techniques que j'ai apprises à travers le programme pour devenir facilitateur m'ont servi à faciliter certaines situations aussi assez challengeantes dans ma vie personnelle, et j'en ai, je peux vous garantir, eu des bénéfices. Ma sonnette sonne, ça c'est pas le bon moment, on va y aller à l'autre. Alors, on est rendu à la période de questions. J'espère que j'ai réussi à vous mettre ça le plus intéressant possible. Je suis pas une habituée, il va vraiment falloir que j'aille répondre à la porte. Ça persiste. C'est correct, Michel va répondre à la porte. Puis pendant ce temps-là, je vais commencer par te remercier d'avoir fait la présentation. Et puis, André va pouvoir peut-être commencer l'animation de la période de questions. Pour la période de questions, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, ça va être un petit moment entre nous. Et puis, on va pouvoir ensuite mettre la présentation sur dans les différentes plateformes. Donc, merci beaucoup, Michel. Merci.